Salam alaikum, Namasté, coucou à tous, bonjour à tous, ou bonsoir, ou bon après-midi. Et bienvenue sur votre chaîne Yami Cuisine. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas une nouvelle recette, mais une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je conserve mes légumes pour toute la semaine, au frais, et comment je les conserve au congélateur, comment je les conserve, en gros, comment je les conserve, voilà, vous avez compris. Sans trop tarder, commençons la vidéo. Et voici mes légumes pour toute la semaine. Là, j'ai de la courgette, des brocolis, des pommes de terre, des carottes, du giraumon, des oignons, bien sûr, de l'ail et du gingembre. J'ai déjà lavé et essuyé les pommes de terre. Ensuite, je prends du papier journal et j'ouvre mon panier. Je couvre juste le bas. Ensuite, Je vais y placer les pommes de et les terre. ranger dans un endroit sec. Je fais pareil pour les christophines et les oignons. Pour le chou, je le mets dans un sac en plastique. Je ferme bien pour ne pas qu'il y ait de l'air qui rentre dans le sac. Je garde dans mon bac à légumes, pas au congélateur. Ensuite, je vais laver les brocolis et les carottes. Je les rince bien à l'eau froide. Je les blanchis. Ensuite, je les plonge dans de l'eau très très froide pour stopper la cuisson et pour qu'ils gardent leur couleur. Je les égoutte, les sèche dans un torchon propre. Ensuite, je les mets dans les sacs à congélation et direction le congélateur. Pour les carottes, je les ai épluchées et découpées sous différentes formes. Je les ai découpées en demi-rondelles, en cubes et en bâtonnets. Et ça dépend des recettes que je vais préparer dans la semaine. Je les blanchis. Pareil, je les blanchis, ensuite je les passe dans l'eau froide. C'est le même procédé, eau chaude, eau froide, égouttée. Ensuite, sur le torchon, pour enlever le surplus d'eau. Avant de les mettre dans les petits sacs à congèle. Pour les courgettes, je les ai épluchées, lavées et découpées en rondelles. Ensuite, je les ai passées dans l'eau froide, séchées, et je les mets dans les petits sacs. Pour le potiron, je l'épluche, je le découpe en petits morceaux. Ensuite, je vais rincer et les passer dans l'eau froide directement. Les courgettes et le potiron, je ne les passe pas dans l'eau chaude. Pareil, je vais les déposer sur le torchon pour les sécher un peu. Ensuite, les mettre dans les petits sacs. Pour les poivrons, je les découpe en deux. Ensuite, je vais les découper soit en rondelles ou en demi-rondelles. Je les découpe par rapport à la recette que j'ai en tête, par rapport aux recettes que je vais préparer dans la semaine. Ensuite, je vais les sécher avant de les mettre dans les petits sacs. Les tomates aussi, je les ai lavées, découpées en quartier. Ensuite, mise dans les petits sacs. Je garde quelques tomates dans un panier ou dans un bol ou dans un récipient aéré parce que je sais que je vais préparer de la salade et j'aurai besoin de tomates non congelées.
Pour l'ail et le gingembre, il y a déjà une recette de pâte d'ail et de gingembre. Mais sinon, je mixe l'ail à part, je garde dans un bocal. Mais là, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Couper les légumes avant de les conserver me permet de gagner du temps et je sais déjà où se trouve quel légume pour quelle recette. Pour la ciboulette, je l'emballe dans du papier journal tout simplement. Je l'emballe bien pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre parce que l'air va pourrir la ciboulette. Et voilà, c'est bien emballé. Et direction le bac à légumes, pas au congélateur. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager avec vos familles, ben, passez le message, partagez, partagez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux et de faire ce qui vous plaît et de vivre votre extra life.